Revolution. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques petites applications qui viennent de faire leur apparition sur notre Google Home préféré avec des applications que l'on peut utiliser au quotidien. Et ici, ça va être toujours avec la JBL Link 20, avec donc du Bluetooth, avec une enceinte sans fil. Vous allez voir que ces petites applications peuvent nous aider au quotidien à faire pas mal de choses. Dans tous les cas, pour certaines, d'autres moins, mais c'est sympa de les connaître. Et on va commencer par la première qui est, pour ceux qui connaissent le Morse, on va lui demander de parler avec le code Morse. Très bien, je vous mets en relation avec le code Morse. Bienvenue. Pour commencer, dites « je veux crypter un message ». Je veux crypter un message. Allez-y, dites votre message. Bonjour à tous les abonnés. Voulez-vous recrypter un message ou une lettre? Une lettre. Dites-moi la lettre que vous voulez encoder. G. Voulez-vous recrypter un message ou une lettre? Une lettre. Dites-moi la lettre que vous voulez encoder. M. Voulez-vous recrypter un message ou une lettre? Voilà donc, si vous ne connaissez pas du tout le code Morse, on aura donc la possibilité avec cette application de découvrir le code Morse, de l'apprendre. Ça peut être vraiment sympa et vraiment rigolo de faire passer des messages un peu du genre en code Morse. Voilà, donc je voulais vous faire profiter donc de cette application. Il faut bien donc lui dire parler avec le code Morse et vous lancerez l'application. Allez, on passe donc à la prochaine application qui va être une application qui là peut nous servir au quotidien. Si vous êtes comme moi et vous n'êtes pas du tout bon en vocabulaire, eh bien cette application, elle va vous servir. Donc on va tout de suite passer à la seconde. Alors comme je vous disais, on est dans une nouvelle scène et on va lui demander donc de parler à une certaine application. On va tout simplement lui demander encore de parler à une application et cette application peut aider beaucoup de gens. Dans tous les cas, elle m'aide à moi pas mal. Je m'en sers depuis qu'elle existe. On va lui dire... parler avec comment on écrit ça. Ok, je vous mets en contact avec comment on écrit ça. Version test de comment on écrit ça. Vous pouvez changer les paramètres de diction en disant paramètres ou dites simplement comment on écrit ça. Paramètres. Choix de trois niveaux, facile, intermédiaire et pro. Lequel choisissez-vous? Intermédiaire. C'est noté, continuons, je suis tout oui, dites comment on écrit ça. Comment on écrit ça? Comment on écrit quoi? Dites-moi ce que vous désirez écrire. Amygdale. A, N, Y, G, D, A, L, E. Amygdale. C'est comme cela que l'on écrit, ce que j'ai entendu. Version test terminée. Dites « Information » pour ouvrir le menu vocal de l'application. Information. Pour essayer, dites « Comment on écrit ça ?» Pour quitter, dites « Quitter ». Pour le changement de niveau de difficulté d'épellation, dites « Paramètres ». Comment on écrit ça ? Comment on écrit quoi ? Dites-moi ce que vous désirez écrire. Constitution. C. O. N, S, T, I, T, U, T, I, O, N. Constitution, c'est comme cela que l'on écrit, ce que j'ai entendu. Choix de trois niveaux, facile, intermédiaire et pro. Lequel choisissez-vous? Pro. C'est noté, continuons, je suis tout oui, dites comment on écrit ça. Comment on écrit ça? Comment on écrit quoi? Dites-moi ce que vous désirez écrire.
maisonnette. M-A-I-S-O-N-N-E-T-T-E. Maisonnette. C'est comme cela que l'on écrit ce que j'ai entendu. Version test terminée. Cool, merci beaucoup. Donc, vous avez vu cette application, elle peut vraiment nous aider avec la diction des mots. Elle peut vraiment nous donner un coup de main de ce côté-là. Merci encore à ce développeur qui nous a développé cette application, parler à comment on écrit ça. Super cool. Allez, on passera à la petite troisième et on verra dans une prochaine vidéo d'autres applications que j'ai découvertes. Allez, c'est parti. Allez, donc on va parler de la dernière application et on va lui demander de parler avec crypto-monnaie. Ok, je vous mets en contact avec crypto-monnaie. Salut, que souhaitez-vous savoir? Quel est le taux de la crypto-monnaie? Selon Wikipédia, une crypto-monnaie est une monnaie électronique utilisable sur un réseau informatique de pair à pair et décentralisé, fondé sur les principes de la cryptographie, que l'on peut émettre soi-même et qui permet de régler des transactions. Les crypto-monnaies utilisent un système de validation par preuve de travail pour les protéger des contrefaçons électroniques. Que souhaitez-vous savoir d'autre? Que puis-je dire? Je suis votre assistant crypto-monnaie. Avec moi, vous connaîtrez les valeurs de vos crypto-monnaies préférées. Par exemple, dites-moi, quelle est la valeur du Bitcoin en euros ou quelle est la valeur de l'ETH en dollars, et je vous répondrai le montant actuel de ces crypto-monnaies. Ensemble, nous allons vous rendre riche. Que souhaitez-vous me poser comme question? Quelle est la valeur du Bitcoin en euros? Pour le moment, la valeur du Bitcoin est de 9433.74 euros. Que souhaitez-vous savoir d'autre? Quittez. Au revoir. Voilà donc, c'était un petit peu le sujet d'aujourd'hui. La crypto-monnaie aussi, on en parle beaucoup sur Internet. C'est pour ça que je voulais vous faire montrer cette application. On va dire donc bye bye au Google Home. À la prochaine. Donc, OK Google. Ciao. Au plaisir. Voilà donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle vous aura donné envie de liker cette vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Énormément de vidéos ont été faites sur ma chaîne, sur le Google Home. Et surtout, pensez bien à me suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à vous et salut à tous. Bye bye.